papa, Dieu était bon pour moi. Il a protégé mes finances. Que tu as fait l'acte des semences de la pièce. Oui, oui. Je vais faire cette prière d'exorcisme et de bénédiction pour que cette pièce, symbole de ce que vous avez, symbole de ce que Dieu a mis entre vos mains, que les forces des ténèbres ne puissent plus jamais retourner votre argent et les utiliser contre vous. Et en même temps, faire de cette pièce, par les invocations spirituelles, une protection. Alors toute personne qui voudra à partir d'aujourd'hui prendre l'argent que vous lui avez donné pour faire un travail contre vous, tombera à votre pouvoir au nom de Jésus. Amen. J'étais à Djamé pour faire des affaires. Uh-huh. Je suis allé encaisser mon argent dans les magasins où je livre mes marchandises. Et j'ai pris l'argent, j'ai mis ça dans mon sac. Et ça a autour de 3 millions. Et quand j'ai mis l'argent dans mon sac, je suis sorti du magasin. Uh-huh. J'ai mis le sac au dos. Et la voleurs sont allés derrière moi, ils ont ouvert le sac. Et je partais dans le deuxième magasin. Il y a un qui m'a suivi jusqu'au magasin. Je suis rentré. Le sac était ouvert. Uh-huh. Et il me pose la question, mon frère, il y a quoi dans ton sac là-bas? Il dit, il y a mon argent qui est dedans. Il me demande si tu es sûr qu'il y a l'argent dedans. Il dit, oui, la femme dit, il faut rentrer. Tu vas bien regarder si ton argent est dans ton sac. Je ouvre le sac et je renverse l'argent. Elle dit, compte si ton argent est complet. Il dit, oui, tout est là, ils n'ont rien pris. Ils n'ont pas pu prendre 5 francs dedans. Le sac était ouvert, mais ils n'ont pas pu. L'argent même était le papier dedans. Ils ne pouvaient pas prendre. Ils ne pouvaient pas prendre. Il y avait le papier, l'argent. Est-ce que tu as entendu? Oui, papa. Donc, la dame en question me demande, tu es musulman? Je lui dis non, que je suis chrétien. Elle dit, tu fais des offrandes? Je dis, oui, je fais des offrandes à l'église. Je paye ma dîme. Elle dit, c'est ça qui t'a protégé. Sous la présence effective de sa sainteté, Nicolas Ier, patriarche de l'église orthodoxe, patriarche des nations, de sa béatitude Matthieu de Jésus, métropolite primat d'Afrique, de son excellence Nicolas Marius, archevêque de Détroit, USA, et bien d'autres évêques du Gabon, du Congo, du Brésil, de la France et du Cameroun, l'église orthodoxe patriarche des nations vous convient au sacre. De son excellence Achia Pacom Marie, évêque de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, dimanche 12 juin 2022 à partir de 12h, ordination épiscopale à la paroisse cathédrale Théotokos, à la montagne du Christ libérateur, à Brofodoumé.